Mon réveil a pas sonné, je suis grave en retard. Tu manges pas le matin, toi zizi, il grandira jamais. Écoute, Malo, moi aussi je suis en retard, on est tous en retard. Maman! Faut que t'apprennes à te responsabiliser, mon grand. 34, 35, 39. Alors c'est tout? Putain, Simone, il y a le sang, c'était dit sous la porte! Tu fais quoi là? Je priais, Simone. Faut que ça change, Stéphane. Il faut qu'on soit des mecs en place. Comme ce petit Raphaël Berthelot. Le mec qui chope une correspondante espagnole avec des nichons énormes, tu vois. Changement de vie, relooking extrême, ascenseur social, réputation mythique. Il faut grave un correspondant. Ya, mit grossen nichonen. Quoi? Et moi, j'ai un serpent. Merci, Malo. Et voici Sacha Bruggen. Je suis sûr que vous allez être les meilleurs amis du monde. Correspondant, qu'est-ce que c'est? C'est qui la gothique qui boit de la bière? Je te présente Sacha. Règle A, on doit devenir camarade avec son correspondant. Je te préviens, toi tu dors par terre. Règle B, partagez avec votre correspondant vos hobbies, vos loisirs. Je savais pas que t'étais une blogueuse. La vengeance est un plat qui se mange froid. Quoi, tu parles français toi? Et cette fois, compte pas sur les Américains pour sauver ton petit cul de François Hauser. Super, l'effet correspondant commence à se faire sentir. La vengeance, ça se boit chaud aussi. Maintenant, je vis nos commandes, ok? Le chief. Tu veux devenir populaire? Bah oui. Je veux devenir populaire. C'est bon. Je veux devenir populaire. Ferme ta gueule. T'as pas vu Sacha? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. C'est 4h de colle samedi matin. Tu parles bien avec moi. Thierry, on a un gros problème avec la petite Josh. T'as pas pu faire l'espagnol, toi? Hôte, non.